la Birchbox. Je l'ai ouverte, j'avais fait la vidéo, et comme vous savez, mes aventures avec mon caméscope et mes cartes mémoire, du coup là je vais vous l'ouvrir, mais je sais déjà ce qu'il y a dedans et j'ai déjà testé déjà un produit. C'est parti. Donc déjà au niveau de la boîte, elle est verte, c'est un vert d'eau. À l'intérieur, donc, on va retrouver notre menu et on va retrouver une carte cadeau pour celles qui auraient envie de faire du sport. Donc je vais commencer par ça. Hein. Donc quand j'avais ouvert la première fois, en fait c'est en dernier que j'avais ouvert parce que je faisais au pif. Et c'est une carte de 2 mois d'abonnement offert, la valeur 43,80€. Donc apparemment, donc il faut se connecter et puis rentrer notre code et on a 2 séances de 45 minutes. Et bien c'est plutôt sympa. Après je ne me suis pas penchée sur le problème, j'ai pas été voir s'il fallait se désabonner après les 2 mois, si l'abonnement était pris en cours, je ne sais pas du tout, je n'ai pas encore testé, donc à voir. Ensuite, on va retrouver, donc je vais vous parler tout de suite de mon produit découverte et chouchou et que je vais recommander dans le shop de la Birchbox. Vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos pour celles qui souhaitent commander la Birchbox. Et ce qui est bien, c'est que quand on a des produits dans la box qui nous plaît, on va pouvoir aller sur le shop et recommander. Et là, j'ai fait cette découverte-là. Alors là, c'est une tuerie pour celles qui aiment l'odeur de la barbe à papa. C'est super. C'est un lait pour les mains, pour le corps, qui est par contre très épais. Mais en même temps qui pénètre assez facilement mais qui vous laisse une odeur sucrée sur vous à vous manger. Alors son prix de base, il est, je vais vous dire ça de suite, c'est que je l'ai mis, le gommage, le dentifrice, il est au prix de 13,90€. Ouais. Donc Body Protector a imaginé le soin corps le plus généreux pour les épidermes les plus secs. Donc c'est vrai qu'il hydrate vraiment bien et je l'ai vu aussi, je me rase les jambes. Oui, je me rase les jambes, je ne m'épile pas. Juste après le rasage, ça m'a apaisé le feu du rasoir. Il enveloppe la peau et la parfume de son odeur gourmande. Donc à appliquer sur les zones qui tiraillent. Donc moi j'en mets vraiment partout sur tout mon corps, sauf sur le visage. Et ça vous laisse vraiment une odeur tip top. Je vous dis ce produit là et il est pratiquement fini pour vous dire. Ensuite on va retrouver un soin pour les cheveux. C'est un après-shampoing à l'aloe vera, prune, calendula. Je ne l'ai pas encore testé. Il se présente comme ceci. Il y a un grand format pour pouvoir se rendre compte et tester. Et son prix, il est 26€, il est au prix de 26€ les 250ml. Je ne connaissais pas du tout la marque privée. Donc ils nous disent qu'on peut craquer sur son odeur de linge propre. Je ne me souviens même plus l'odeur que ça. Oui, effectivement. Et sa mission première est de vous faire des cheveux doux, démêlés, tout en légèreté. Donc je vais pouvoir le tester sur moi et sur ma fille qui a les cheveux long quand même, très épais pour les démêler. Moi ça va être vite fait hein, parce que j'ai jamais de nœud, mais bon on peut se rendre compte au niveau de la texture. Donc ouais, même l'odeur elle sent vraiment très bon. Donc voilà, deuxième produit. Le troisième ça va être un dentifrice Marvis, ben je connais pas du tout, qui se présente comme ceci. Il est au prix de 12€, donc c'est quand même un dentifrice qui a un certain coût, donc à tester et à voir. Ils mettent que ça transforme le brossage des dents un moment chic. C'est vrai que c'est chic de se laver les dents. Travaillons autant de sa composition que de son look. On adopte ce dentifrice pour protéger la blancheur de notre sourire. 3 minutes montre en main pour être réglo. Oui, donc c'est surtout plus au niveau de la blancheur. Il ne parle pas au niveau caries, gencives. Mais bon, pourquoi pas, on va tester. Ensuite, on a l'intérieur. Alors, la marque Jelly Pong Pong, donc justement, c'est dans les box que j'ai découvert cette marque-là. J'ai déjà eu un mascara et j'ai déjà eu un rouge à lèvres en crayon. Et là, en fait, on a un crayon qui va permettre d'apporter de la lumière au point stratégique du visage. Donc, vous les connaissez tous, entre là, entre là, entre là. On peut mettre aussi à cet endroit-là. Même au niveau des cernes, et qui va corriger les petites imperfections. Il est au prix de 20,40€. Alors j'espère qu'il est bien, parce qu'à ce prix-là, donc pareil, à tester, et je reviens vous dire ce que j'en pense.
Le dernier produit, et ça c'est pareil, j'ai hâte de le tester, ça va être un masque gommage réconfortant, guimauve encore, huile d'abricot, poudre de riz qui se présente comme ça, de Doumi. J'en ai déjà entendu parler aussi de cette marque, je me demande même d'ailleurs si c'est pas dans les box. Il est au prix de 26 euros. Donc c'est un soin bio qui convient aux peaux les plus sensibles aussi, donc c'est parfait. Surtout moi je sais qu'en plus j'ai la zone ici qui est très sensible. Hydratant comme un soin, il faut juste appliquer une fine couche sur la peau propre et sèche, laisser poser 7 minutes, humidifier, gommer du bout des doigts, puis rincer. Puis rincer, ça va être un soin qui va être top. Je ne sais pas si vous voyez bien la lumière là, parce qu'elle cartonne hein, sur du blanc. Donc déjà à tester au niveau de l'odeur aussi, je vous dirai ça. Et on avait un petit gadget, ce sont des petits élastiques, voilà, comme ceci, un peu là, la couleur de la boîte. Et ça va être direction à Lily. Voilà pour cette Birchbox du mois de janvier. Ben moi je suis pas déçue là, hein. Depuis que j'ai commandé la Birchbox, vous savez que j'avais arrêté la Glossybox. Je l'ai commandée en septembre 2015 et je l'ai eu jusqu'au mois de décembre, il me semble bien, ou novembre, je me souviens plus. Et c'est vrai que j'avais été contente des produits qu'on trouvait avant par rapport à la Glossybox. Là, j'ai arrêté, je me suis dit je vais refaire une autre box et ça me permet de découvrir des marques et des produits. Donc, ça. C'est vrai que ça nous permet de découvrir des marques qu'on ne pense pas. Et voilà. Et je trouve quand même qu'au niveau des box, hein, pour le moment, je ne suis pas déçue. Et ils se sont quand même améliorés. Donc, vous avez mon lien de parrainage en bas si ça intéresse. Et en plus de ça, je vous conseille passer au site par mon lien de parrainage sur Igral. Parce que en plus, vous avez des réductions et vous aurez aussi du cashback. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.